بسم السلام الواحد المهيمن المستعان بالجلال المؤمن أحمده مسبحا مستغفرا من كل ذنب تائبا معتذرا ثم الصلاة والسلام ما جرى نهر على نبينا خير الورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série bénie, l'islam et ses éthiques méconnues, qui traitera de l'islam et du respect de la nature et de l'écologie. Dans cette optique que nous évoquions déjà dans les précédents épisodes de préserver la vie humaine dans tous ses aspects, l'islam a fait en sorte de préserver jusqu'à l'écosystème dans lequel vit l'être humain, en l'invitant à protéger les ressources naturelles qu'il a à sa disposition, en les utilisant consciencieusement et en lui interdisant de les gaspiller par gratitude et remerciement vers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin. Ce qui signifie: Ô enfants d'Adam, prenez votre parure dans chaque lieu de prière et mangez et buvez et ne gaspillez pas car Allah n'aime pas les gaspilleurs. La sourate 7 au verset 31. Et Allah nous informe que les gaspilleurs sont les frères des diables, c'est-à-dire qu'ils sont associés au diable dans ce crime qu'est le gaspillage et la consommation à outrance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Certes, les gaspilleurs sont les frères des diables, à la sourate 17 au verset 27. Ces textes sont d'une importance capitale, tout particulièrement à notre époque, cette époque de surconsommation et de surproduction où l'on épuise constamment les ressources de la planète. Ces textes de modération viennent nous rappeler la rigueur que l'on doit observer par rapport à ces richesses naturelles, et ce à commencer notamment par l'eau, qui étant la base de toute création et de toute vie, compte parmi les plus grands des bienfaits matériels. L'imam Ibn Majah recense dans ses sunan le hadith rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As qui dit que le prophète, bénédiction et salut soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, passa un jour à côté d'un compagnon qui se nomme Sa'd, qui faisait ses ablutions au bord d'une rivière, et lui dit: Quel est ce gaspillage, ô Sa'd? Y a-t-il un gaspillage dans les ablutions? Lui répondit-il. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de répondre: Bien évidemment, quand bien même tu te trouvais au bord d'une rivière abondante. Ce qui signifie que cette rare denrée qui est l'eau potable doit impérativement être économisée et utilisée avec modération, quand bien même ce serait pour une cause noble, telle que les ablutions pour la prière. De même que l'islam a invité à développer cet écosystème, cette faune et cette flore qui nous entoure, notamment en plantant des arbres par exemple, qui est considéré comme étant une adoration très méritoire en islam et pourtant bien méconnue. L'imam An-Nasa'i ainsi que l'imam Ahmad et d'autres rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Pas un musulman ne plante un arbre sans que toute personne qui en mange soit inscrite pour lui comme une aumône, de même que ce qui est volé de cet arbre, ce qu'en mangent toutes les bêtes sauvages ou les oiseaux. Le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit même dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad: Si l'annonce du jour du jugement retentit tandis que l'un d'entre vous a dans sa main un pouce d'arbre, qu'il le plante. L'islam fut d'ailleurs l'une des premières civilisations à avoir mis en place la notion des biens communs, à travers ces ressources naturelles communes à tous que l'on trouve dans la nature par la grâce d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bénédiction et salut soit sur lui, nous dit dans le hadith que cite l'imam Ahmad toujours: Les croyants sont associés dans trois ressources, l'eau, les plantes et le feu. Ce qui signifie que toutes ces choses qui se trouvent librement dans la nature sont la propriété de tous les hommes et qu'ils se les partagent raisonnablement entre eux. Ainsi sont les éthiques musulmanes méconnues vis-à-vis de l'écologie et du respect de la nature, qui font pourtant partie des choses fondamentales pour le croyant. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette série bénie, l'islam et ses éthiques méconnues. Que la paix soit sur ceux qui auront suivi la guidée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مسارنا على خطى الأسلاف فاظفر به واحذر صدى الإرجاء فيه.